Pas besoin de poser Jean-Pascal Alexandre une question, il va y avoir une question à la réponse. Ce que je suis capable de dire, c'est que Jean-Pascal Alexandre, c'est un homme chanceux. Chanceux parce que il paraît devant un juge indépendant, un juge courageux, un juge honnête, un juge qui compte fonction, la fonction de juge. Après avoir analysé le dossier, les faits reprochés à Jean-Pascal Alexandre, le juge d'instruction, maître de Norvège, a compris que le dossier était vide et que c'était une véritable tempête dans un verre d'eau. Il a donc décidé de mettre en liberté Jean-Pascal Alexandre, mais l'instruction va continuer son cours. Le dossier n'est pas terminé. Pascal Alexandre va rester à la disposition de la justice. Il va comparaître à d'autres phases de la procédure. Mais le plus important, c'est qu'il a obtenu aujourd'hui sa liberté. Il a obtenu sa liberté parce qu'il a eu la chance de comparaître par devant un juge indépendant. Un juge courageux, qui comprend une fonction. Et je félicite les policiers et les policières de la République qui étaient mobilisés pour permettre à Jean-Pascal Alexandre de reprendre sa liberté. Je félicite tous les confrères qui sont ensemble avec moi, avec Axel Joseph et les deux autres. Et féliciter tout le monde qui comprend Jodia. Bataille pour démocratie, son bataille fondamentale, faut le continuer. Oui, il faut que les policiers, SPNH, continuent la bataille pour rejoindre de meilleures conditions de travail. Oui, il faut que les policiers continuent la bataille pour rejoindre une bonne condition de travail, pour avoir un bon salaire, pour avoir une petite école. Il faut que la bataille continue. Il faut que le respect continue à mobiliser. Parce que je dis, la bataille pour le changement ne doit pas s'arrêter en chemin, cette bataille doit continuer. Voilà, c'est ça me dégain pour me dire. Mais qui statue Pascal? Est-ce que vous êtes policier? Comment ça y est? Mais il est policier! Il est policier, au contraire. Mais nous autres avocats, nous allons adresser rapidement une requête aux autorités compétentes de la police nationale d'Haïti pour leur dire que Jean-Pascal Alexandre a été libéré au cabinet d'instruction. C'est un policier et en tant que tel, il est en fonction, il est habilité à recommencer à travailler comme policier. Il reste à la disposition de la justice et il est policier en fonction, d'autant plus que les faits à lui reprocher, les faits qu'il va camper sur lui. On peut parler d'attaque, armée armée, de destruction de biens publics, mais à la vérité, ce sont des faits, des éléments vagues, parce que pas grand-rien qui corrobore, pas aucun procès verbal, il n'y a rien, c'est un dossier vide. Mais évidemment, ils ont mis en prison, ils ont fait plusieurs mois en prison. Quand je dis arrivé, c'est le jour de sa liberté, c'est le jour de sa libération. J'espère que toute famille est contente. Et il faut que les policiers continuent la bataille. Par exemple, le porte-parole de la police, le SPNH, qui a révoqué injustement, faire réintégrer Bonnègre, comment il s'appelle. Tout l'autre policier qui est victime de répression, il faut qu'ils suspendent la persécution. Il faut que tous les policiers continuent. Mais
pour être capable de jouer de meilleures conditions de travail. Il faut jouer un bon salaire. Il faut jouer une âme pour le travail. Il faut jouer une possibilité pour envoyer petit à l'école, pour protéger la famille. C'est normal. Et son combat légitime et nous supportons cette combat, cette bataille, nous supportons ce combat. Vous dites ça pas continuer. Ça veut dire ça, il y a continué, et l'autre monde y a attendu Pascal encore, mais en attendant, il est libre. Mais d'accord, je voulais dire Saint-Joseph.